Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui, c'est un retour de course de match et de Aldi et un petit haul action. Donc on va commencer par action. Donc j'ai pris le shampoing sec. Je ne l'ai jamais essayé celui-là. Donc à voir, je ne sais pas comment il sent. Donc je vais essayer et je vous dirai. On va mettre là. J'ai repris des mojitos. Alors j'en avais acheté dans mon précédent haul action et j'ai bien aimé. Donc j'en ai repris 3. 2, 3. J'ai pris des noix de pécan parce que cet après-midi je vais faire des cookies aux pépites de chocolat et noix de pécan. J'ai pris ce pchup-pchup. En verre, il est en verre. En fait, c'est pour mettre le parfum de linge. Donc, j'en ai racheté un et je vais le mettre dedans, dilué avec de l'eau et je pchute sur les rideaux, les draps, enfin dans le lit, etc. Hein. Voilà. J'ai trouvé un sérum anti-rides. Ouais, parce que moi, j'ai des rides. Hein, voilà. Donc, j'ai pris un sérum anti-rides. Appliqué tous les matins et le soir. Donc ça, c'était nouveau chez mon Action. Donc je testerai et je vous dirai si ça fonctionne. Bon, à voir, hein. J'ai trouvé ces nouvelles, ah, des bombes de bain. Je sais pas, c'est oui, des bombes de bain. Voilà. Donc j'ai bien aimé, c'est 4 euros et quelque chose, je ne sais plus. J'ai perdu mon ticket de caisse en moto, oui, parce que je fais de la moto. J'ai une 125. Donc, j'ai pris la moto aujourd'hui parce qu'on a un ciel bleu, il fait beau. Et du coup, je me suis promenée en moto et je dis, tiens, on va aller faire quelques courses. Quelques courses, et il y en a pas mal. Donc, ça va, j'ai des sacoches et tout ce qu'il faut. Ensuite, j'ai pris ces boîtes. Ces boîtes. En fait, moi, dedans, je vais mettre mes noix de cajou. J'en ai pris une comme ça. La deuxième, c'est pour les pépites de chocolat. Voilà. Et dedans, celle-là, les plus grandes. Là, je vais mettre tous mes sachets de levure chimique et sucre vanillé. Donc, je vais faire ça. Et aujourd'hui, cette semaine, en nouveauté, j'ai trouvé une étagère. Une étagère, donc elle fait comme ceci. Voilà, moi je vais mettre des plantes aussi. Je vais mettre des plantes. Donc voilà, et elle fait 52 cm sur 23 cm. Voilà. 52 fois 16, 52,5, pardon, fois 16,5 fois 23 cm. Donc, voilà, elle est très jolie, je trouve. Elle était à 4 euros, 4,75 euros, enfin, dans ces prix-là. Voilà pour le haul action. Donc là, on va passer un petit retour de course de chez Match. Donc j'ai pris de la vanille liquide. Ça, c'est pour faire toutes mes préparations de gâteaux, crêpes, mes cookies aujourd'hui. Pardon. J'ai pris des cornichons. Alors, c'est écrit Cora, hein, mais ça fait partie de Match. Donc, j'ai pris des cornichons parce qu'aujourd'hui, je vais faire une salade de riz. Donc, dedans, je mets des cornichons, des œufs, je mets des morceaux de poulet blanc. Parce que ma fille ne mange pas de porc. Donc, je fais avec du poulet. D'habitude, je mets du jambon. Hein. Donc, voilà. J'ai pris bah, du riz. Hein. Voilà. Du riz. Lustu cru. Hein, parce que moi, j'aime bien la lustu cru. Voilà. J'ai pris pour l'apéro des Monaco. Alors, ceux-là, je les adore, moi. C'est j'en raffole. Malgré que je ne peux pas manger trop de sel à cause de mon insuffisance rénale. Mais j'en mange pas beaucoup, hein.
3, 4, 5, 6. Et le reste, je le prends et je ne mange pas dans ma séance. Car ma séance est ce soir déjà. J'ai pris des soufflets à la pizza. Alors ça, c'est trop trop bon. Il n'y en a pas beaucoup dedans, mais c'est très très bon. Et ça fait 60 grammes. C'est moins de 1 euro, ça. J'ai pris des petits écoliers. Donc ça, c'est pour les enfants, malgré qu'ils sont grands. Ils prennent des gâteaux pour le travail. Voilà. J'ai pris du beurre. Du beurre. C'est pour mes préparations de gâteaux, etc. Un président. Car le président, c'est pour faire toutes mes pâtes à tarte. Parce que je les fais moi-même. Pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sablée. J'ai fait tout avec. Et j'ai pris quelques mirabelles. Voilà, quelques mirabelles. J'adore les mirabelles. J'en ai pas pris beaucoup, hein, parce que, comme je vous dis, j'ai pas le droit de trop manger non plus ces choses-là, car c'est beaucoup de potassium. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout cela en détail pour que vous me connaissiez un peu plus, car là, je viens d'arriver sur YouTube, donc j'essaye un petit peu, mais bon, je vais avancer, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Faut se mettre dans le bac, comme on dit. Ensuite, le retour de chez Aldi. Donc, j'ai pris du poivre, poivre noir. J'en ai pris 4. Pourquoi? Parce que j'avais acheté ces choses-là chez Action. Donc, moi, je vais mettre du poivre là-dedans. Avec la petite cuillère. La petite cuillère. Très jolie. Donc, moi, je vais mettre le poivre dedans. Comme ça, je le mets à côté de ma plaque de cuisson et quand je fais le manger, hop, on n'a pas besoin d'aller dans l'armoire chercher le poivre. Tout sera à côté, tranquille. Donc, j'en ai pris 4. Pareil pour le sel. Pour le sel. Donc, il m'en manquait. J'avais mis le reste. Voilà, j'ai déjà commencé à mettre le sel. Voilà, le sel. Avec la cuillère, hein, pareil. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'en ai racheté 2 de sel. Parce que il me restait la moitié et j'en ai pas eu assez. Et je voudrais que ça soit bien rempli quand même. J'ai repris de la farine. Ça, pareil. C'est pour faire mes préparations de gâteaux, pain, à tout ce que vous voulez. Hein. La farine, ça sert toujours. Et également, le sucre en poudre. Donc ça, j'en utilise beaucoup aussi. Hein. Et ça part très très vite, toutes ces choses-là. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Alors, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis à bientôt pour un retour de course, haul, peut-être recette. On verra bien. Allez, à bientôt. Au revoir.